what a sad business. A delicate child snatched from his home by a demon. The unbearable anguish of his poor father. Oh, flesh of my flesh, my own blood, my only son. A cursed castle standing in a hostile country, inhabited by a dreadful demon who's the incarnation of all evil. But all is not lost. Because two outstanding heroes will try their luck. Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Twitch, c'était le Kino. Il s'agit de l'épisode numéro 1 de Goblins 2. On est parti. La suite. Enfin. Alors, ok, vous me direz si le son est correct, les gens. Voilà, c'est ça. Donc, dans Goblins 4, il y a 3 i, j'imagine là, exactement. On t'a offert Downfall, Ghost of a Tale, Little Nightmares, All Man's Journey, Unforeseen, Incident of Portal, of Evil, Setup. Oh putain, ok, énorme marque. Beaucoup de jeux, c'est cool ça. Est-ce que je connais bien Woodruff? Je l'ai fini aussi, il me semble, Woodruff. Goblins 2, je sais plus si je l'ai fini. Remarque, non, je sais même plus Woodruff si je l'ai fini. Mais ouais, c'est un jeu que j'aimerais bien refaire en tout cas. Ok, so ok, merci beaucoup. Alors, je sais même pas comment il s'appelle. Ah, Winkle et Fingus, ok. Ils ont pas, c'est pas les mêmes que dans le premier. Ok. Alors normalement, j'espère qu'il y a rien là. S'il y a du texte, eh ben je disparaîtrai ou je montrerai la caméra, je ne sais pas, on verra bien. Allez, alors, comment ça fonctionne? T'es trop gâté. Ben cool. Attends, je regarde si j'ai, je vais peut-être, je te proposerai peut-être Marc un jeu de ma, de mon placard spécial, le placard caché. Alors. J'imagine que dans le, comme dans le premier, je me rappelle même plus en plus ce qu'ils font. T'as vu les bouzouks qui sont inspirés de Winkles, de Winkle. Les bouzouks, je ne sais pas ce que c'est. C'est dans Woodruff, je me rappelle plus. Alors attendez. Ok, donc il prend la fleur, il la regarde, il est content, et lui il va faire quoi? Il la mange, d'accord, ok. Voilà. Il est content aussi, ok. On a une bouteille ici. Je l'ai fait quand j'avais, je sais pas, 15 ans, Jim Lao, donc c'était il y a 25 ans. Je m'en rappelle plus, très honnêtement. We'll have to make these two old billies laugh a bit. Et tu voulais que je joue avec du langage de Goblins Yaourt? Non mais sérieusement. Faudrait le faire rire un peu, ces deux pauvres bougons. On va essayer de les faire rire, alors. Ok, on peut leur causer d'ailleurs. Youpi! Why are you two noodles looking at me? Bah oui, ok. Il faut que je monte la cam du coup. We're starving. Only the notable has enough to eat. Voilà, ça devrait être bon là maintenant. Ok. Nous sommes la famille à guerre que les notables. Que les notables qui aient encore à manger. C'est les créatures qui vivent dans le monde de Woodruff, les bouzoukas, ouais, bah, je m'en rappelle pas du tout, hein. Franchement, c'est pour ça, pareil, Goblins 2, je m'en rappelle pas du tout. Hein. Ok, Yippee. Donc on leur cause comme ça, on va refaire. Comme ça, vous verrez ce qu'ils ont dit, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Ok, qu'est-ce qu'ils disent avec lui? Est-ce qu'ils vont dire un truc différent? Hey, villager, do you know the house of the Lord Tavar? Tavar? It's at the end of the village, the house with the fountain. Ok, cool. Qu'est-ce qui se passe si je
J'utilise la bouteille avec lui. Alors, le principe de Goblin, c'est que chacun des personnages... Chacun des personnages a des spécialisations. Bon. Ok, faut qu'on les distrait, il a dit. J'ai cliqué et ça a dû zapper le truc. Donc, le principe, c'est évidemment que chacun a leur spécialité. Et que quand on utilise les objets, qu'on interagit avec les objets ou les personnages avec l'un ou l'autre, eh ben, ça fait des choses différentes. Voilà. Il faut passer chaque tableau comme ça. Gob 2 est tellement mieux que le premier, j'ai de me souvenir pourquoi la musique coupe quand il y a les voix. Parce qu'en fait, ils ont mis des voix par-dessus. D'ailleurs, on entend le début des voix des originales des Goblins, en fait, quand ils commencent à parler. Dear sir, you look powerful. Could you please help us on this quest? Ok, donc il veut pas. Les voix et musique, t'es sur la piste CD audio. Ok. Tac tac. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Moi, ça me va. Ok. D'accord. Ok, et si on le prend avec, avec Fingus ? À faire la même. Donne à moi. Tiens, lui il parle le gob. Okay, on a un bouton là, il y a une plaque aussi, une plateforme. Ok. Oh, à tous les coups, ça permet de faire sauter un gob en haut en fait. Je pense. Je me rappelle. Non, ouais, sauf que... Ok, Winkle est con. C'est ça. Je vois plus le bouton maintenant, bravo. Hop. Nice. Ok, donc voilà. Donc seul Fingus pouvait appuyer sur le bouton et donc faire sauter Winkle là. Donc, il faut qu'il aille dans la Non. Ah, il va peut-être pouvoir prendre le saucisson comme ça. Tac. Non, c'est pas un paillasson. Je me rappelais que c'était une trappe... Ok, ça n'a pas marché. Comme le CD en fait, d'accord. Bah, non, le CD, par contre, il y a des censures. Tiens, d'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu et j'ai vu qu'il y avait une censure sur la version CD de Goblins, en tout cas la version que j'ai. C'est à un moment donné, il y a une nana. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a une nana à poil. Et sur la version censurée, elle a. Elle a un maillot de bain. Est-ce qu'on peut aller là-dedans? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut zoner? Je ne sais même pas. Si, on peut sortir. On va sortir pour voir. Ok. Une poule! On a quand même un peu des musiques, des sons originaux et des voix de gob quand même. Il veut pas le prendre. Est-ce qu'on peut... Non. Je vais pouvoir faire plusieurs choses en même temps, mais pas ça en tout cas. Choquant, j'ai écouté une interview du créateur, ok. Cool, cool, Jim, là-haut. On a une ornière, un chien et un géant. Qu'est-ce que c'est que l'ornière? Ah, mais la main qui apparaît là. Ok. Bonjour le chien. Ok, donc il veut pas passer, c'est ça? Il y avait des gens choqués qu'une fille soit nue alors qu'on voit quasiment rien. Bah, il y a 4 pixels. il a coloré 3 pixels pour censurer, c'était débile. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais après, bon.
Je peux comprendre parce que... c'est, on dirait un jeu pour gamin, quoi. Ok, pareil. Est-ce que, par exemple, il réagit différemment que l'ornière, là? Est-ce qu'on pourrait attirer le chien pendant que... Winkle? Ça le fait marrer. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut faire... ça? Il veut pas. D'accord, donc on peut pas faire ça. Moi, petit, c'était juste drôle. Oui, non, mais voilà, après, c'est pas les gamins qui sont choqués, c'est les parents des gamins. Donc, même si c'est con, tu vois, je peux comprendre, en limite. Donc, j'imagine qu'on peut interagir qu'avec les objets ou qui sont indiqués, en fait. Ah, mais attendez, du coup, maintenant, vous voyez même plus. Ah, si, c'est bon. J'ai rien dit. Ok, bon, je vois pas trop comment on pourrait passer, là. J'imagine que là, c'est pareil, ça va... Ah, ça va être bloqué par le chien. Ok. Apparence de jeu pour gamin, mais c'était pour adulte. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est comme les Simpsons, hein. Tu sais, les Simpsons, il y a de bon nombre de parents et d'associations de parents, en fait, qui râlaient parce que les Simpsons, c'était pas politiquement correct pour les gosses. Alors qu'au final, ça a jamais été un dessin animé pour les gosses, les Simpsons. C'est comme South Park, tu vois. Bref. Ok. Alors, pas... Hey, villager, do you know the house of the Lord Tavar? It's at the end of the village. Je m'en fous. Non, je m'en fous clairement. Faut les faire marrer. Est-ce qu'il y a un truc là, non? Est-ce que je peux zoner? Bah, on est déjà bloqué, dites donc. moi, j'ai joué malgré la difficulté. Ouais. J'ai quoi dans l'inventaire? J'ai rien. J'ai rien dans l'inventaire. Inventaire vide. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bloc-notes? Ah oui, ah, tiens. On peut écrire des trucs. J'avais fait un test pour voir. Yo lol. On peut créer des trucs. Ça, je trouve ça très cool. Je trouve ça très très cool. Tu remontes ton micro, s'il te plaît. Le sort ne t'accorde pas de joker ici. Donc, ça, c'est pour tricher. On va essayer de ne pas en utiliser, hein, évidemment. Échange d'objets. On peut échanger des objets entre Finkel et. De toute façon, ils ont l'inventaire vide tous les deux. Déplacement fontaine ou géant. D'accord, on peut aller directement. Fontaine. Oh là là, mais attendez. Comment on a fait pour. Ok, j'avais pas vu le... On peut zoner par là. J'avais pas vu, ok. Donc ça, c'est cool. Bien le bloc-notes, t'as vu? T'as vu, c'est bien. Il y a des jeux qui devraient prendre de la graine maintenant et mettre un bloc-notes. Genre tout ce qui est RPG, jeu d'aventure, ils devraient. Pour se rappeler, en fait, de certaines choses. Tiens, j'ai testé Subterrane, il est vachement bien, assez angoissant, mais plutôt dur. Ouais, ouais, clairement, Marc. Ouais, j'avais fait la découverte et j'ai trouvé super bien aussi. Je m'étais dit que je continuerais bien, mais j'ai eu la flemme, en fait, parce que le côté survie et crafting, etc., qui me gonfle un petit peu, en fait. Ok. J'adore la voix. Ok, donc il veut pas ouvrir la porte. Est-ce qu'avec Winkle, on pourrait... J'adore le loading screen, les images, c'était cool. Ouais, comme dans le 1, hein, c'est les mêmes genres. Non. Un crapalot. Ok. Fontaine. Est-ce qu'on peut passer? On peut passer au moins, le crapaud est pas non plus trop méchant. Il est appuyé sur le téton quand même. Hein. Franchement, moi j'aurais honte. Hein. Si j'étais un parent dans les années 90, j'aurais fait non mais c'est quoi ce bordel? Je veux dire, il lui appuie sur le téton quand même. Tac, la porte. Une fenêtre, une cheminée. Il va falloir monter alors, j'imagine. Et c'est français, tout à fait. T'as eu les gobelins? Non, les Adi, sérieusement? Oh là là. Moi, je les avais achetés, hein. J'ai les boîtes encore chez moi, je crois. Quand je. Quand je rentrerai en France. Je vous ferai une petite. J'essaierai de récupérer les boîtes des vieux jeux que j'ai chez moi, chez mes parents, et puis je vous les montrerai en live.
J'en suis très fier de toutes les avoir gardées. Enfin, sauf si mes parents les ont jetées, quoi. Est-ce que tu peux bastonner le crapaud, toi? Non, t'as peur aussi, d'accord. Pour l'instant, je vois pas trop... J'imagine que Winkle est plutôt balèze et que Fungus est plutôt intelligent, en fait. Est-ce qu'il... Ok, on va aller ouvrir la porte. Il y a pas une guide complet du jeu à faire. Lol. Ah, mais ça, c'est pas drôle. Hein. Ça, c'est pas drôle du tout. Can I help you? Ah, ok. Donc, il est sorti en fait. Je pensais qu'il allait dire un truc. Coucou Natomadi, bienvenue! On rocks du bonheur, carrément. Et toi, est-ce que tu rocks du bonheur? Ok. Noble Wizard, please let me speak to you! Ok. Oh, sorry, I've no time. Ah non. Oh là là. Au moins dans celui-là. Il n'y a pas la vie qui descend. Ça, c'est cool. Can I help you? As a matter of fact, we are salesmen. Ça marche, ça? Oh, sorry, I've no time. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fenêtre, là. Ça rock, c'est toujours en bonne compagnie. Cool. On peut pas aller là. On peut pas appuyer sur le mécanisme. Oh là là, piou 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 piou. La chaussette, on peut pas la prendre. C'est fort quand même d'être déjà bloqué. Apparemment. Ok. Je me ressors le guide de Woodruff, guide dans le papier, il se déchire tout seul, il a bien vécu, lol, tu m'étonnes. Alors si, à part Jim Lao qui connaît déjà le jeu, même si tu te rappelles pas forcément de tout, n'hésitez pas à proposer des idées. Parce que là, on se galère déjà en fait. Donc on a un crapaud, mais peu importe avec qui on utilise le crapaud, il fait peur au gob. On a la fontaine. Fungus peut... Ah, attendez. J'ai une idée. Hop. Mais à mon avis, il va falloir ouvrir ça pour que l'eau aille dedans, je pense, non? J'ai d'eau. Ok, il ne veut pas le prendre. Donc... C'est bizarre, hein. Pourtant, c'est... Ok, lui qui est pas chercher un gars à la fontaine, je vois pas ce qu'on cherche. Bah on cherche à à avancer. Donc à utiliser, enfin pour l'instant, pour l'histoire, t'inquiète pas pour l'histoire, Avia. Ce qu'il faut c'est faire des combinaisons quoi. Enfin, pour l'instant le problème c'est que vu qu'on n'a pas d'objet dans l'inventaire, c'est probablement juste un truc qu'on n'a pas vu en fait. Je vois que ça. Donc le cellier on l'a testé avec les deux. Le crapaud on l'a testé avec les deux. La fontaine on peut l'utiliser avec Fungus, mais Winkle veut pas. La porte on l'a essayé. Ça a on frappe et y a un mec qui sort, un magicien. Sauf que avec les deux, le magicien veut pas nous parler. Et il ferme la fenêtre. Magicien porte. On peut pas appuyer sur la porte, ok. La chaussette, on peut pas la prendre. Youpi. La cheminée, ok. Le mécanisme, ils veulent pas aller le chercher. Ça, on peut pas aller voir. Peut-être que maintenant qu'on a appelé le magicien, est-ce que si on fait couler de l'eau... Ouais, je connais Gob de presque partout, je dirais rien. Ça marche.
Parle hommage, ouais. J'ai essayé de parler hommage avec les deux, en fait. Et il fait, j'ai pas le temps à chaque fois. La fin est marquée. Maintenant, au grand joueur, nous te lançons un autre défi. Serais-tu capable de te recommencer, mais sans regarder cette fois? Peut-être qu'il faut insister. Hein. Oh, sorry, I've no time. Ouais. Et je suis tellement content, en fait, de le faire avec les voix, parce qu'elles sont pas mal faites, les voix, je trouve. Non, non, non. Il veut plus maintenant. Ah, il veut plus du tout maintenant. Ah. C'est marrant. Chemin vers le bas gauche. Ouais, on revient au... à la place, en fait. Oh, attendez, est-ce que si je fais... Parce que là, il y a eu changement, là, quand même. Est-ce que je peux lui foutre un nion Je sonne. Je prends Finkwinkle. Non, je peux pas. Ok. On peut pas aller à droite. On peut retourner à gauche. Et à gauche, on retourne à l'écran du début. Alors l'écran du début, on a vu ce qu'il y avait. Donc on a des fleurs. Il les renifle ou il les regarde juste, je crois. Il en prend une. Puis c'est tout. Lui, il en prend une. Et il la bouffe. Il y a un trou là, ça. Ok. Je veux bien décrire un détail si besoin. Non, non. Sauf si c'est un élément de gameplay qu'on devrait connaître, Jimlao, tu peux nous le dire. Donc là, il y a les vieux et il y a une bouteille. La bouteille, il essaie de la prendre et se fait taper dessus. Il a dit qu'il fallait les faire rire, en fait. Voilà, faut peut-être faire le guignol, un truc comme ça. Si je leur parle avec Winkle. Why are you two noodles looking at me like that? We're starving. Only the notable has enough to eat. Donc à mon avis, il faut leur filer le jambon, en fait. Coucou Rio Créateur, bienvenue. Donc voilà, il faudrait choper le jambon, mais on peut pas. Si je leur parle avec lui. The house of the Lord Tavar? Tavar? It's at the end of the village. The house with the fire. Donc c'est le mec qui est dans sa maison à qui il faut qu'on parle, en fait. Winkle, le Q négatif. Ouais, j'imagine que tu donnes un indice, en fait, Jimlao. C'est du gameplay. C'est du gameplay. On peut pas leur... Tu aurais fait que des jeux que j'ai fini. Eh ben, je sais pas si c'est bien ou pas, Ryu. Moi, je l'ai fini aussi, je crois. Le 1, je l'avais pas fini. Le 2, je crois que je l'ai fini. Alors, j'en sais rien, en fait. Je veux pas dire que je crois, puisque je m'en rappelle plus. Mais quand j'étais gamin, quoi, c'était il y a 20 ans. Donc, je me rappelle de que dalle, en fait. Et j'ai pas dû le finir, parce que franchement, c'est un peu barré comme truc. C'est un peu compliqué, quoi. Pique la bouteille. Alors, attends. On essaie de piquer le saucisson, ça fait marrer les vieux. Ça a fait marrer les vieux ? Et pendant ce temps-là, on pique la bouteille de lait, une connerie comme ça ? Ah ! GG Avia. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc maintenant, on a une bouteille de lait. On va l'utiliser sur... On va la garder et on va l'utiliser sur la fontaine, en fait. Voilà, nickel. Ok. Bah, GG à toi, Avia, surtout. T'as même acheté la trilogie sur mobile. Ça existe sur mobile, lol, Rive. Il y en a 4, hein, d'ailleurs, maintenant. Et j'ai joué au 3 aussi. J'ai jamais fait le 4, par contre. J'ai joué à Woodruff. On parlait de Woodruff aussi tout à l'heure. Donc là. Ok. Winkle, il va aller là. T'as trouvé ce que j'allais expliquer. Voilà. Je savais qu'on pouvait faire les choses en même temps. Mais j'avais pas vu, en fait, qu'ils se marraient. J'avais pas vu que les vieux se marraient, en fait. Donc là, on appuie là.
On a rempli la bouteille. Donc j'imagine qu'on va mettre l'eau sur les plantes maintenant, les fleurs. Hein. Tout va se débloquer d'un coup. T'es là. D'ailleurs, on va utiliser ça en fait, c'est beaucoup mieux. Vous draft tellement bien celui-là. C'est clair, c'est clair. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, Ryu, hein, si jamais un jour je peux streamer, on retourne en France. Non, je vais pas dire si, quand je retourne en France, je vous montrerai les boîtes que j'ai achetées. Parce que j'ai acheté les jeux dans un magasin à l'époque. Quoi. J'ai toujours les boîtes épaisses comme ça. Encore une fois, si mes parents les ont pas achetées, lol. Il y avait pas ça dans le 1. Non, il y avait pas vraiment d'action simultanée. Enfin, t'avais des certaines actions, j'aime là où un des gobs faisait un truc, genre il allait jongler ou une connerie comme ça, et puis là, ça veut dire que là, tu peux faire un truc en même temps. Mais pas autant que là, en fait. Donc, la bouteille, là. J'imagine. Hein. Youpi ! Ok. Attends, je prends une fleur. Il la prend. Utiliser la fleur sur. Est-ce que je peux en prendre une autre avec lui? Non. Ok. Ok. Je vois qu'il y a transfert d'objets alors qu'on a un inventaire commun, j'ai l'impression. Peut-être que dans la version originale, il y avait. Thank you. Il y a Elkinet qui vous dit bonjour. Bonsoir. Peut-être que dans la version d'origine, en fait, il y avait, il fallait changer. En fait, je sais pas. On va essayer de voir s'il peut éternuer. Je sais pas, pollen. Ah non, il veut. Si. Bah, il s'est endormi en fait. Genre. Ok, bon, peut-être que maintenant, on peut l'envoyer en l'air. Je passerai à l'autre, bonsoir. En fait, pour l'inventaire, tu peux faire un clic droit pour l'afficher. Ouais, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, en fait. J'ai juste été voir une fois dans le truc. Faut que je prenne le coup. Est-ce que là, il va peut-être pas s'apercevoir hein, que je lui chourre le jambon. Le saucisson. Nickel. Voilà. Et on va filer le saucisson au vieux. Bah, il avait dit qu'ils avaient faim. Saucisson au chien, je suis con. Pareil, ma mère avait tout donné. Oh là là, là là là, oh là là, c'est pas bien. Méchante maman. Mais bon. Goblin sur mobile, ça doit être sympa. Cherche partiel 3 ou 4 dessus, c'est vrai ça. Ouais, franchement, je savais pas que c'était sur mobile. C'est sur Android ou iOS ou les deux. Tiens. Espèce de chien. Non? Pourquoi il veut pas? Peut-être qu'il faut le donner avec Winkle? Ah, mais non, je suis con! Vu que Fingus il peut. Sa main elle va passer au travers du trou. Donc on va faire ça. Sur l'ornière. Je m'en rappelle. Ah, sauf que. Voilà. Il y a tellement d'actions simultanées là en fait. Tu veux pas prendre le tas de bois? Il me regarde comme un con. Genre, et. Ok. D'accord. Ça l'a fait marrer en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours la bouteille. C'est trilogie donc les trois premiers. Ok. Qui tu peux m'aider? Je comprends pas la tête du chien. Là où sa bouche, ses dents, c'est bizarre. Bah c'est la bouche et les dents. Tu diriges deux personnes en même temps, c'est timé, c'est... Ouais, c'est pas facile. Pas facile.
Le tas de bois. Cela a toujours la bouteille. Trop. Ok. Cool. Maintenant, les deux peuvent passer, c'est ça? Yes. Ok. Vas-y. Non, 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 pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Toi. D'ailleurs, je me demande s'il y a un raccourci pour... les deux. Je fais... je sais pas. Est-ce que c'est marqué quelque part? Non. Non. 1, 2, 1, 2, non. Non. Je sais pas. Si quelqu'un sait qu'il y a un raccourci, je prends. J'adorais l'humour du jeu, c'était tellement con. C'est tellement con, oui. Son nez au chien, c'est le carré noir. Bah ouais, ouais, c'est son nez, ça. C'est ce que je comprends. Et là, c'est les pliures du nez, en fait. Donc peut-être que du coup, Fingus, il veut prendre le tas de bois. Ok. Please, nice giant, wake up! Je j'ai l'impression de voir une tête humaine sur le chien. Ouais, mais non. Ok, donc on peut pas prendre le tas de bois, mais par contre on peut aller là. Ah, ou pas, en fait. D'accord. C'est tellement cute le... Na, 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 na. Saucisson surgéant. Saucisson sur tas de bois. Ok. Bouteille sur tas de bois. Ah tienne. Bouteille sur géant. Bouteille dans le vide. Ok. Toi, tu fais pareil, toi? Ouh. Ok. Je sais pas, hein. Il y a du bois, allume le feu. Bah ouais, mais j'ai rien pour allumer le feu. J'ai rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas prendre le tas de bois. Ça se trouve, c'est ouais, c'est juste pour allumer le feu, en fait. Il faut juste allumer du feu. On va dire. Ok. Ok, on va se barrer. D'ailleurs, je pourrais faire ça, en fait, juste... retournons à la fontaine. Est-ce qu'on peut remplir à nouveau la bouteille? Probablement. Je sais pas s'il y a un intérêt à faire ça, mais on va le faire. Vaut mieux avoir une bouteille remplie que vide, on est d'accord. Sachant qu'il n'y a pas d'autre liquide. Peut-être qu'on peut mettre la bouteille sur la grenouille, l'eau sur la grenouille. Ok. Ou le crapaud même. Bah voilà. Et bah voilà. Exactement. Tac. Une pierre. Va falloir la lancer sur la vitre à tous les coups. Tous les jeux à 10, c'était les mêmes effets sonores, le même nom. Non, c'est pas ça. Il y a le petit chapeau rouge et aussi un K. Oh là là, un K! Il faut que je les fasse, il faut que je les fasse en live, un K. Merde, Jim Lao, tu m'as... le coup de vieux que tu m'as fait, là. Un K et Win. Win the Prophecy, je sais pas si tu connais. Il faut que je les fasse, les deux. Ok, ça marche pas, ça. La pierre. On sait au moins comment enlever un bouchon de la bouteille, n'est-ce pas, Max? Ouais, on sait. Now, now. Now, now. Oh! La cheminée magique, je la refais. Tac. Trop bien. Ok. Est-ce que je peux la faire avec lui? Ça donne quoi? Win. W-E-E-N. Avec deux E, Win. Je me rappelle, j'avais joué à ça, j'avais adoré. Ok, ça fait pas la même. Mais c'est pas mal.
Yes. Yes. C'est lui qui va grimper, non? Faut commencer, là. Ah. Ah, d'accord. Cool. Wynn te dit quelque chose? Franchement, regardez sur Google, vous trouverez... il faut que je le fasse. Il faut absolument que je le fasse. Je sais pas quand, mais je le ferai. Ça me fait la même ici, là. J'ai envoyé les liens pour Android, j'ai pas trouvé d'infos pour iOS. Ok, je sais pas si c'est... Bon, ça doit être payant, j'imagine. Merci beaucoup, Rio. Reçu, lien reçu. Alors, on va voir dans la cheminée. Si ça se trouve, il faut lui faire tomber la pierre quand il a la tête à la fenêtre. Non, il veut plus sortir maintenant. Ok. Ok. Such persistence. All right, you can come in. Ouais. Trop cool. Adibou, c'était pour les plus petits. Adibou, il n'y avait aucun cours du coup, que de l'amusement. J'ai jamais fait les Adi, moi. Hey, little goblins, what do you want? On va lui parler d'abord. Taza. Great wizard, your fellow wizard from Middle-earth has sent us. We must find King Angulafra's son who was kidnapped by a demon. J'ai peur de cliquer, donc je clique pas. I know about this. It's the ghastly ammoniac who is holding the child. Ammoniac. This demon has ousted our good king and reigns in his place. Merci, Jimno. Okay. Est-ce qu'il va dire la même chose? Your advice is most precious, noble wizard. Where must we go? Leave the village and go to the castle. Beware, a giant is blocking the road. Ok, donc faut passer le géant. Ok, on va voir avec... Non, on va continuer à voir s'il dit la même chose. Non, il ne veut plus lui parler. Qu'en est-il de Winkle? Tell us where to go and make it snappy. Encore. Non, il va plus. Ok. En 2015, je l'ai acheté 2,69€. Ah, ça va. Ah, ça va, ça va. En Suisse, on jouait aux écritures. Attends. En France, des jeux pour apprendre. En Suisse, on jouait. Écriture double compte de caisse. Non, je déconne, lol. Alors, on a du feu ici. On peut grimper là, a priori. Un coucou. Tu vas aller voir le coucou. C'est vrai que ça soit déjà ouvert. C'est bien, ça. Ok, il capte pas ce qu'il faut faire avec le coucou, d'accord. La tête. On essaie de tout faire avec Winkle. Et après, on essaiera avec Fingus. Il veut pas... Winkle, idiot grossier. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Nyeh. Teyer, il veut pas. Là, y'a rien, là, y'a rien, là, y'a rien. Là, y'a rien, là, y'a rien. Ok. Fingus vient là. La tête. Bon, Fingus, c'est pas très futé, mais bon, il peut pas savoir. Ok. Le cuit d'Avia. Probablement bien moins. Bien inférieur au cuit d'Avia. Non, non. Oh. Donc il sait pas quoi faire avec le. Le coucou, on est d'accord? Oh. Ok, la théière. Ah, il y a la queue, dis donc. J'ai pas vu. Guiri,
Gilly Gilly. Oh. Gilly Gilly. Ok. Je crois qu'on entend des voix chez toi, Elki. Ouais, y a que toi qui entends ça. J'aime là où tu rêves. Je sais pas quoi te dire. J'aime là où je ne peux pas. Je peux gueuler sur ma fille si tu veux, mais là, elle est pas trop bruyante, donc voilà. Non, Jim Lao, il a une très bonne oreille. Mais normalement, ça devrait pas déranger. Je pense que c'est surtout parce que le son est très calme. Donc Jim Lao entend. Si tu te sens outré, Jim Lao, eh ben à ce moment-là, hésite pas à partir. Voilà. Ah ah ! Youpi ! Oh, d'accord. On refait, j'ai vu un truc dans la gueule. Encore, mais plus rapide. Voilà. Ok. Donc on a des allumettes qu'on va utiliser sur le bois pour allumer le feu. T'entends rien, perso, ta marque. Non, c'est Jim Lao qui a une très très bonne oreille, je pense. Mais c'est gentil, merci. Alors en fait j'ai un noise gate, mais malheureusement je peux pas tout couper quoi. Vu que je suis en analogique maintenant, je peux pas avoir un noise gate logiciel comme j'avais avant, qui coupait vraiment tout, toutes les fréquences hormis la mienne, hormis ma voix. Là maintenant vous voyez c'est, je parle comme ça, vous l'entendez toujours, donc plus c'est loin et moins vous entendez. Là vous entendez beaucoup beaucoup moins. Mais du coup les gens qui sont, enfin quand c'est juste au-dessus là, eh ben vous entendez tout. Voilà. T'as vu les actions timées, c'était super short. Ouais, clairement. Mais pas chez moi, j'ai le marmot de mon voisin au-dessus qui gueule du matin au soir. Oh là là. Ok, donc on a dit, on va aller au géant. Alors. On repasse là, on va allumer le feu. Je pense que ça va lui brûler les pieds du coup. Allumette. Mettre le saucisson dessus. Ok. Bon, on a allumé le feu, c'est bien. Mais ça change pas grand chose. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la poule? Ouais, c'est vrai, tiens. Allumette, saucisson, pierre. Non, c'est la pierre sur la poule. Attendez, je crois qu'il faisait des trucs différents. Ok. T'entends des têtes dans ta voix, lol. Avia entend des voix dans sa tête et Marc des têtes dans sa voix. D'accord. Alors. Faut peut-être le faire plus rapidement que ça. Comment ça? On a vu tête. Oh, idée. Poule. Bouteille. Ah, c'est bizarre. Tu te rappelles ce qu'il faut faire avec la poule? Tu t'en rappes quoi? En fait, quand tu prends la poule, il y a marqué tête. Donc il faut faire un truc sur la tête. Mets la pierre dans un trou, je sais pas pourquoi. Non, mais il faut tester de toute façon. Là, normalement, ça va. Non. Là, c'est pour le saucisson, c'est pour le chien. Il y a la langue qui sort par la bouche, regarde, Jim Lao. Donc tu vois bien que c'est là la bouche en fait. Damn.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va voir à côté. Je crois qu'on a... On a fait tout ce qu'on pouvait faire, là, non, il me semble. Je vois pas quoi faire d'autre, là, à part avec les vieux. Je voulais leur filer le saucisson, mais... Parce qu'ils ont la dalle. Mais apparemment... Apparemment, il faut pas. Non, non, dis rien, dis rien, dis rien. T'attends des choses, ouais, c'est clair. Peut-être c'est un signe. Oh, putain. On entend un coq. Peut-être que c'est un signe. LOL. Je valide. Alors, les fleurs endorment. On va reprendre une fleur, tiens. Hey, villager, do you know the house of the Lord? Va-t'en. Alors. S'il retourne. Merde, pas là. Si, là, ouais. Il y a le cellier qu'on n'a pas ouvert. On peut peut-être entrer par la fenêtre maintenant aussi. Le coq pour attirer la poulette. Quel coq? Mais de quel coq tu parles? Il était gentil avec nous, mais là il est méchant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La théière donc. Ah ouais, est-ce qu'il faudrait pas utiliser les allumettes sur la théière pour allumer? Et ensuite, il faudrait peut-être aller chercher de l'eau, le mettre dans la théière, faire bouillir l'eau. Ok. On avait déjà de l'eau en fait. Ça bout. Oh, ça a fait ça a décollé le truc là. On a la clé maintenant. Ça c'est pour le cellier. What? Bleep. C'était quoi ce bip? Ça veut dire que on a fini le tableau, c'est ça? Chercher Winkle caché derrière elle qui... Ah, désolé. Je ne peux pas... Je suis obligé d'être quelque part. Tu as toujours de l'eau. Ouais, ouais, bah je... Je pensais pas que la bouteille se vidait pas. Ou alors on l'a pas utilisée, je ne sais pas. D'ailleurs, on va la remplir du coup, non? Au cas où. Merci. Elle est où la poulette? Lol. Allez, appuie sur le titon. Voilà. Le bip signifie que t'as enlevé du curseur l'objet équipé. Ah. Ok. Sérieux? Ah bon? Comment je fais? Ok, c'est pas grave. Ok, alors maintenant on a la clé. Merde, c'est pas. Non, lui il va pas y arriver, lui, c'est mon avis. Hop. Je sais pas, j'ai demandé. Ça, t'es allé faire ce que je pensais. Ok. Pas de bip pour indiquer qu'un tableau est terminé. D'accord, d'accord. Non, mais je me demandais. Je sais pas ça. Sérieux? Je suis déçu. Pourtant, je déséquipe des objets et ça fait pas je bip. C'est bizarre. Ok, alors c'est une clé pour faire autre chose. Ne dis pas qu'il faut le mettre dans le cul du poulet, la clé, quand même. Sérieusement,
La pierre sur la poulette, déjà fait. Déjà fait la pierre sur la poulette. Ok, hop. Si c'est ça. Non. J'ai déjà essayé la pierre. Bouteille, attends. J'ai essayé, hein. C'était le saucisson, putain. N'importe quoi. Bah ça, à force d'essayer des trucs, au bout d'un moment, ça marche. Hein. Ah, ça aurait pu passer, la clé dans le poulet. Voilà, le saucisson pendant que tu y es. Ah non, c'est quand on a chopé un nouvel objet, en fait. Jim Lao, le bip. Est-ce qu'il faut mettre l'œuf là? GG le saucisson, merci. Est-ce qu'il faut mettre l'œuf là-dedans? Sur le feu? Genre. C'est ça. Pour le réveiller. Just leave me alone. I'm trying to forget my hunger and thirst. Ok, il a faim, il a soif. Pas de souci. Voilà. T'as soif aussi? Là, je dis ça au-dessus, c'était pour les nouveaux objets. Ah, tu l'as dit, pardon, attends pour moi. J'avais juste lu le bip signifier que tu as enlevé du curseur l'objet équipé, mais en fait. Ok. Il concerne les nouveaux objets. Ceux qu'on a, pas ceux qu'on a déjà. Ok, merci. Let us pass, please! Ok, but bring me some good wine. Ok. Ah, vraiment? Je t'ai filé de la flotte et tu veux du vin maintenant? Où est-ce qu'on va choper du vin? Où est-ce qu'on va choper du vin? Une bouteille vide. D'accord. Ah, il a pas bu, ok. C'est pour ça. La pierre dans l'œil droit du géant. Non, il n'y a pas d'œil. Ok. Non. Le cellier, évidemment, le cellier, c'est là où on met du vin. GG Avia. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans le cellier? Peut-être que la clé marche maintenant? Ça serait débile, non? Ça serait débile que la clé fonctionne uniquement maintenant. Sinon. Oh! C'est la clé du coucou, putain, je suis con! C'est la clé du coucou. C'est, je me disais que c'était un truc pour remonter quelque chose. Et le coucou, bah voilà Ryu. Par contre Ryu, toi t'as déjà joué au jeu. Donc tu ne peux rien dire, s'il te plaît. Ne spoil pas, ne nous donne pas d'indices. Si t'as joué au jeu, Motus et Mouche Cousue, s'il te plaît. Hop. Il va nous faire une clé. Ah ouais, merde. Ok, alors il va falloir trouver une façon de la choper. Il me lit pas, il trouve lol. Ouais, coïncidence. Le coucou a un petit trou. Bah c'est pour le remonter. Coucou Mister Chèche, bienvenue. Alors attendez. La clé, elle pendouille jusque... Faudrait réussir à sauter. En fait, je connais le début du jeu par cœur. Ma version du jeu était buggée. Il y avait un soft lock au 3ème chapitre. Du coup, j'ai beaucoup refait le début. Oh merde, c'est con ça. Ce genre me rappelle un peu le point and click Woodruff. Bah, c'est les mêmes créateurs. Woodruff et les Schnibbles of Azimuth. Mr. Jej. Donc, c'est normal. C'est normal. Et comme disait Jim Lao,
Le personnage de Winkle ici fait penser au Bouzouk, c'est ça? De Woodruff. Je me rappelle pas, Woodruff, c'est pareil, j'y ai joué il y a super longtemps, donc... Alors, je suis en train de me demander si on peut pas... Si on peut pas faire sauter quelqu'un. Je vais pas le prendre. Comment est-ce qu'on pourrait le choper? Qu'est-ce qu'on a? Pierre bouteille allumée. Ah, il faut peut-être utiliser la pierre à la lancer. Alors, attendez. Hop. Tac. Tac. Pardon. Il faut être un peu plus rapide. Ouais, bah je pensais pas qu'il fallait se mettre là. Désolé. Aïe. Ok. Ok, là, alors on est reparti. Hop. Sinon, on va inverser les rôles. Yes. Ok. C'est une grosse clé. Pluit. Pluit. Ouais, voilà, Ryu. Donc, c'est la règle ici. Quand on connaît un jeu, motus et bouche cousue, même si tu penses avoir tout oublié. Ce qui est bien, c'est de faire le jeu entre personnes qui ne l'ont jamais fait, en fait. Alors, après, tu me diras, moi, je l'ai fait quand j'étais gamin. Je sais pas où je me suis arrêté. Mais ça compte pas. Moi, je stream, c'est pas pareil. Hop. Du vin! Il y a autre chose? Non, c'est tout. Ok, cool. Moi, Woodruff, j'ai dû le refaire en plusieurs fois. Le premier CD que j'avais, il me manquait un élément au début, le deuxième 2 sur 3, et enfin le dernier, aucun bug. Ok, cool. Woodruff, c'est Goblins 4 en quelque sorte, dernière version du Potter des Goblins. Ok. Il était buggé et ça t'a bien frustré. Bah, c'est ce que disait Ryu apparemment aussi. Moi, je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas ce que j'ai fait ou pas, quoi. C'est chaud. Mémoire. En même temps, encore une fois, il y a 20 ans, quoi. C'était très flippant quand j'étais petit, c'est Softlock. Bah oui, tu. Oui, c'est clair. Je voulais. Désolé. Attends. Voilà. Je tourne sur Unreal 4, remappé par CryEngine, ça se voit quand même. Bah oui, c'est évident. Merde, c'est le vin qui fait donner pas la bouteille. Bonjour, monsieur le géant relou. Tiens, du picrate. C'est bon, là? Il est parti dormir. Ok, cool. Voilà. Oh là. À la sortie du village se tenait le fameux château. Outside the village stands a famous castle. They decide to take a tour. Take the tour. Merci. Enfin, peut-être que je sauvegarde un jour, non? Alors derrière moi, il y a une tentacule. Il y a une tranchée, une tentacule. Ok. Je vous le montre. Voilà. Tranchée avec une tentacule. Ok. Sauvegarde. Sauver là. Yolol. Ouais, je confirme le nom de la sauvegarde. Yolol, ouais. Chapitre 2. Combien y a de chapitres, Jim, là-haut, tiens? Ou Ryu. J'adore la Ziki. J'adore. Je suis fan. Allez, la tranchée, on va voir ce que ça donne. Pas grand-chose. Ouverture. Gardien. Évidemment, il va pas le laisser passer. You're very lucky, my friend. A steady job, no worries. Le retour. Ok. Dommage qu'il n'y ait pas le bruit de la claque. Je me demande, tiens, si You're very lucky, my friend. A steady job, no worries. Ah non. Je pensais que si je coupais le son, il y aurait eu le son de la baffe. C'est dommage, ça, c'est vrai. La version CD, j'imagine, qui fait ça.
Ok. Come up here if you dare. That's what the carpet is for. Ok. 10, ok. Ah bah voilà. Vous êtes tous les deux d'accord, c'est donc qu'il y a un indice. Qu'est-ce qu'il fait avec Fingus? Borrow the carpet and come up to see me. I can't hear you from up here. Donc faut utiliser le tapis. On a toujours nos allumettes, est-ce que je peux brûler le... Non, on peut pas brûler. Comment ça blip? Pourquoi blip? Je sens cet instrument à ces heures-là, mais si c'est si tard. Ouais, c'est... Oh, salut. Une bombe. Ok. On va en récupérer une autre. Il va falloir l'allumer la bombe. J'imagine. Bon, on fait. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Non mais sérieusement, il y a qu'un seul tableau ici, je sais pas. Tom et Kael, non, a priori, il y a un autre tableau. Alors, est-ce que qu'est-ce qui se passe si je vais à l'intérieur de la tour avec Winkle? Ok. Ah. La tentacule. Merde. Oh putain, j'avais pas capté ta blague, Avia. GG. C'est si tard. Une si tard. GG. Non, franchement, GG. Reviens, toi, reviens. Ok. Vous remarquez qu'il n'y a plus de barre de vide, pas de game over. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, Jim Lao. Franchement, tu m'écoutes pas. Je suis pas très content de toi, Jim Lao. T'écoutes même pas le streamer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est bien qu'ils aient retiré cette connerie. Huh. Tombe sur la... Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Soka, Soka Dance, la tour, une porte, ouverture. Est-ce qu'il faudrait pas que ça soit Fingus qui prenne la bombe et Winkle qui l'allume? On va essayer. Mais j'ai dû m'égarer, probablement. Ça va, je te pardonne. Et non, Avia, ta blague, elle était bien. J'aime ces blagues. Voilà. Oh genre, ah bah du coup maintenant, hop. Toi tu vas là. Tu vas là. Puisque là, à tous les coups, il va lancer la bombe sur l'autre. On va choper le tapis. Merde. Merde. Chiotte. Pas assez rapide. Je me suis emmêlé les pinceaux là. Ok. Prends la bambinette. La bambinette, Shera. Ok. Je suis pas comme ça. Cassé. Cassé, cassé. Cassé. T'as vu la résolution du jeu en 16/10e? Bah ouais, carrément. Est-ce que lui peut la prendre? Yes. Si c'est pas magnifique. Merci. Ouais, non, ils ont bien fait l'adaptation
de la résolution, je trouve ça. Pour accéder au château, jeter dans les douves un peu de sable du temps. Est-ce que ça dit la même chose avec lui ? GG combo, merci. If you want to enter the castle, don't go through the door. Faut pas aller par la porte. Il faut trouver des sables du temps. Je vais re-sauvegarder, on va quand même passer par la porte. je confirme. Ok. Ok. Là y'a rien, là y'a rien. On a une ouverture mais... On peut pas y accéder, je pense pas. Oh, attendez. Du coup, maintenant, peut-être qu'on peut faire l'autre combinaison de bombes. Ah merde. C'est le contraire. Mais moi, à chaque fois, je change les réglages de l'écran à tube du PC pour étirer la manquette. Tiens. Ah ? Ouais, mais non. Ok. Il faut que ça soit à Winkle de prendre la bombe. C'est la seule combinaison qu'on n'a pas faite vu qu'il n'y a plus le garde. Ok. Alors si ça se trouve, vu qu'il n'y a plus... On va essayer. On va le faire avec Fingus. Oh. Je verrai toujours les bandes noires. Ah bah oui, oui. Tac. Tac, tac. Est-ce qu'il va l'envoyer? Vu qu'il n'y a plus de tapis, il va peut-être l'envoyer sur là. Non. Ok, d'accord. Bien. Alors, on peut aller à gauche, du coup. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire, là. Allume la bombe avant. Ah, c'est pas idiot. On pourrait tester après. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, on a un ballon. Une horlogerie. Une maison. Une maison. Une maison. Une maison. Une maison. Enfin, des portes, quoi. Un panier. Il va falloir mettre le ballon dans le panier, j'imagine. Ça, c'est le basketteur. La mairie. Mon Dieu. Tu connais Lode Runner version Sierra? Ouais. J'ai très peu joué, mais je connais. Hey, sporty! Lovely weather for a game! Oh! Pierre, bouteille allumette. Est-ce qu'on peut... Alors, qu'est-ce qui se passe si on va là-dedans? Ok. Est-ce qu'on peut genre faire un slam dunk avec la pierre? Non. Runner, je connaissais sur C64. Ah, il y avait aussi sur Atari. Sur le ballon. À mon avis, faut lancer la pierre sur le ballon pour la faire tomber. Et après, filer le ballon au basketteur. Yes. Enfoiré. Va. Ah, l'enflure. Blip. Ah, ok. Tu veux que la jouer comme ça, toi? Surtout c'est 64, un muscler, pile poil, enfin mission impossible. Lol. Dire que j'ai réussi à trouver quoi faire sans Solus. C'était si compliqué que ça. Merde. Oh. Hein?
tu vas? Oui, va. Ok, va là. Je sais pas si je rentre là. Ok. Je rentre là. Oh. Ok. Peut-être que je fasse en même temps. Bah. Mais non. Par où est-ce que... Oh, je sais. Il faudrait trouver par où est-ce qu'on sort ici, en fait. Non. Ok. Par là. Non. Par là. Non. Oh. Yes. Ok, c'est ça. Il faut que je rentre avec Winkle là. Et que je rentre ensuite avec Fingus là. Pour le choper. Merde. Mais... c'est pas ça. J'étais encore en mode découverte de l'informatique et jeux vidéo sous DOS. T'avais 5 ans. 6 ans peut-être. C'est l'âge de ma fille, 6 ans. Elle est pas trop gamer encore. Enfin, elle est compétitrice, on va dire. Elle aime bien jouer un petit peu, mais pas trop. Alors, je fais ça. J'attends. Yes! On va pas le faire en même temps, j'étais trop rapide. Ok, on a le ballon. Sur le basketteur. Il va faire un panier. Il a fait un panier, c'est bien. Ok, je capte pas là. Allez voir l'horlogerie. Ah, Tim and the Incredible Machine, yes. Je connais aussi. Oh. Personne. Pierre sur horlogerie. Bouteille sur horlogerie. Allumette sur horlogerie. Ballon sur horlogerie. Ok, Ah non, je sais. Qu'est-ce qui se passe si moi je lui fais le. Si Winkle lui fait le ballon. Est-ce que. On lancerait pas la pierre sur le ballon en même temps? C'est compliqué, hein. Hop. Non, 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 non. Voilà. Porte en haut avec l'horloge, c'est pas pareil que celle d'en haut. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Youpi. 9h40 ou 15h40, tu as tout à fait raison. Eh ? Il est où mon ballon ? Ah, ok, c'est lui qui est là en fait. Attends pour moi. Tac. On peut rien faire là. Ok, non. Ballon sur la mairie, peut-être qu'il va faire quelque chose de différent. Non. Un dunk. Oh, je te déteste, Avia. Je te déteste. Faut tout refaire.
Putain. Oups. Casse-toi, le gamin. tu lances avec Fingus et Dunk avec Winkle. Ah ouais, je... Ouais, ok, d'accord. On pourrait faire ça. On va essayer. Donc je file le ballon. Basketteur. Yes! C'était presque... C'était ça, en fait. C'était pas un dunk, mais c'est un reverse dunk, en fait. GG Avia. Hi, my good mare. What's to be seen around here? Go and see Tom, our master clockmaker. He'll help you pass the time. Yes. Il est là. Un dunk, ouais. Un reverse dunk. Oh, oh là là! Oh là là! ST Strixix! Strixix! Merci beaucoup pour le host. Oh là là, Trump. C'est vrai qu'on dirait Trump, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Qui est quoi, les voleurs de la nuit? Ça me dit rien du tout. Hey, this is a hold up! Give me the money! Bof. You're wasting my time, dopey. There are only hourglasses here. D'accord. On va y aller de façon un peu plus politiquement correcte. Plus diplomatique, je devrais dire. Putain, c'est vrai qu'on dirait Trump, hein. Le maire. C'est ouf. Dear Master Clockmaker, we'd like to see your talent at work. On va s'appuyer pour remplacer le tic-tac de l'horloge. Oh. What? What? Qu'on remplace le tic-tac de l'horloge par une mélodie? Mais Noble Burgomaster! Who's in that lovely house which refuses to open? It belongs to Tom, our master clockmaker. Give two short knocks on his door. Ok. Alors là, je ne sais pas. Ah mais si, mais on a une autre zone en fait. On va aller voir. Kael. Ok, ça nous a... Alors attendez. On essaie de remettre un petit peu où ça va. D'accord. Ok. Cool. C'est pas facile de savoir. Hein. Il y a 4 pixels. Elle qui remplace le tic-tac de l'horloge. Go easy. On remplace le tic-tac par une chanson. Ah, par la nymphe. C'est la nymphe. Oh. Oh. Figgis, il a un cheveu sur la langue, j'ai l'impression. Là. J'ai l'impression. Kael. So, you old pile of sticks, are you putting down roots? Alors, vieux branche, on prend racine. Ok, il répond pas. Ok, il parle pas. Non, il a dit de voir la maison fermée, celle de l'horloger. Ouais, mais on... Regarde, Avia. On a déjà fait. Je sais pas si t'es à la bourre niveau du stream, Avia, ou pas. Mais l'horloger, on lui a parlé, il est là. Tu vois, dans l'horlogerie. Et il nous dit de remplacer le tic-tac du coucou par une mélodie. Du coup, vu que j'ai l'impression qu'on a fait à peu près tout ici... Là, on se casse sur l'autre écran pour voir s'il n'y a pas autre chose à faire.
On a toujours une pierre, une bouteille et une des allumettes. Est-ce qu'on peut mettre la... Il faut mettre de l'eau sur la nymphe. Elle est peut-être déshydratée. Ok. Une pierre sur quelle? Là, on a une branche. Est-ce qu'on peut utiliser la pierre pour la branche? Non, c'est trop. Hein. Oh! Yes! Thanks for quenching my thirst. I'll let you climb on my hand. Ok, je te permets de monter sur ma main. Cool! Est-ce que Winkle peut aussi monter? Je pensais que l'horloger était un gars. Il veut pas. Ok. Ok, bah on va prendre la branche alors. Oh, foiré, va. Si je me mets là-dessus. Ok. C'était pas vraiment ce que je voulais, mais c'est... Casse la branche. Trop de PJ18, hein, ouais, t'as vu la nymphe à poil. Hein. Je pensais que l'horloger était le gars qui demandait. Vous voulez de l'aide? Bah, ok, tu pensais que c'était Trump en fait. Donc il y a une porte. Ok. Apparemment, on peut pas le... Bon, ça serait méchant quand même. Ok, redescend. La porte, y'a quoi? Ah, c'est tellement débile. Oh, une pierre là. Une autre pierre. Ok. À faire avec l'abeille le temps qu'elle vole avec Winkle du coup. Mais pourquoi est-ce que, quel intérêt de l'avoir monté en haut alors? Je comprends pas, je pensais qu'il aurait pété la branche en fait. Vu qu'on a réussi à le faire monter. Récupérer la feuille? Non, même pas. L'abeille pour faire peur au gars qui prend les feuilles. Ah, c'est pas idiot. Ah, mais si, je l'ai, la fleur, voilà. Ah non, c'est pour l'abeille, la fleur. Ok. Non, si je l'ai, je l'avais juste pas rangé en fait. Kilo, ça t'intéresse d'écouter l'interview du créateur du jeu? Tu peux toujours envoyer, je l'écouterai peut-être en bossant demain. Alors, la fleur sur la pierre. Ah,
Du miel sur la porte, j'imagine. Non, miel, miel, miel. Miel, miel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... sur la nymphe alors? Il faut peut-être l'aider. Ça va être ça. Non, même pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du miel? Le donner à... Quel? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres tableaux dans la tranchée? Est-ce que la tentacule veut du miel? Tiens, on va essayer de récupérer une fleur. Oui. Tac. Ok. Ça fait pas peur aux gars. Ok, on descend. Avec lui, on n'a pas été tapé à la porte en fait. Youpi. Ah. Il est... Ok. Vive Alzar. On va lui causer en fait avant. Fleur et nymphe. Ouais, on va essayer aussi. Miel sur Vivalzar. Ok, une pierre sur Vivalzar. Une bouteille sur Vivalzar. Des allumettes sur Vivalzar. Une fleur sur Vivalzar. Ok, tu sers à rien, dégage. Cause à Vivalzar. Ah. Ah, genre! Putain, il a bouffé ce con! Il bouffe la fleur aussi, quoi, d'accord. Oh. Super. Oh, quel con! Ok. Fuck! Faut tout refaire. La 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 la, merci. Voilà. Ça va pas marcher avec. Et le bouffe. Ouais. Tac. Putain. Là. Sélectionne-moi. La fleur sur la pierre. Save. Ah ouais, ouais, je sauve après. Bravo, Jim Lao, t'as pas honte? J'ai une idée en fait. Non, c'est pas ce que je veux. Attendez. Ouais, je vais faire une sauvegarde, c'est pas idiot là. Hop. Tac, tac.
Je sais plus moi non plus, mais j'ai une idée de ce que t'as pas fait. Que t'as pas fait, mais j'attends. Ok. Il y a un truc que j'ai pas fait, effectivement, que j'étais en train de penser. C'est. Putain, qu'il est con, je suis con. C'est la fleur que je vais filer. Ça le fait marrer, hein, putain. Tiens, on va charger du coup. Hop, hop, hop. Alors. Il y a le milieu de la fleur, ok. Qu'est-ce que. Donc, ah oui, la fleur et la nymphe, on avait dit. Donc, faut pas utiliser la fleur ni le miel avec l'autre con, il bouffe tout, quoi. Fleur sur la nymphe. Miel sur la nymphe, on a déjà essayé. L'abeille donne du miel, j'aime là-haut. Miel sur la nymphe. Alors, si je mets la fleur, si je mets une deuxième fleur. En fait, non. Si je mets une pierre dessus. Ok. Si je mets du miel dessus. Si je mets une fleur dessus. Il faut faire un truc sur l'abeille. Hein. Brûler la nymphe, ouais. Faire un truc sur l'abeille, je pense. Alors. On va essayer comme ça. Ah, yes, ok. D'accord, donc c'est ça. Non ? Sérieux ? Fuck. Tu vas dodo, ça marche dame. Merci beaucoup d'être passé dame et d'avoir tenu aussi tard. Et puis, ben, écoute, à la prochaine, on a Cuphead vendredi matin. Puis, tu me tiens au courant si l'extension continue de fonctionner, enfin, fonctionne, et de nouveau à l'heure. Alors, je vais ouvrir. Ça marche pas. Non, non, putain. On n'a pas essayé la lunette. Pourquoi il monte à chaque fois? C'est bizarre. Vu qu'il monte, je pensais qu'on avait un truc, mais... Non. Ah, elle a dû s'endormir. Elle vient de se réveiller, c'est possible. Non, je paramétrerai le nouvel outil pour les giveaways. Cool! Des giveaways. Oh, Blacky! Oh là là! Oh. Mon dieu, Blacky, coucou! Un petit coucou dans mon sommeil entrecoupé de réveil. Ah, c'est pas bien le sommeil entrecoupé de réveil. J'espère que tu vas bien vite te rendormir. Merci beaucoup d'être passé, Blacky. Oh. Des bisous. Le stream se termine bientôt. Peut-être, j'aime là-haut. Peut-être. Normalement, ça se termine à 5h, mais je pense qu'on va continuer peut-être un peu plus. Je suis pas fatigué là. Ok. Comment réveiller la nymphe? Gilly, gilly, gilly. Gilly, gilly. Je testais l'Hatch Tool. L'Hatch Tool. C'est un logiciel si tu veux. Je t'appelle le lien. Une vidéo pour que tu vois. L'Hatch Tool. Je ne connais pas. Toujours mon idée si tu veux. Non, merci Rio, t'inquiète. C'est gentil. À parler à la nymphe, ouais, elle dort ou elle est pas bien, quoi, je sais pas. Ah, champignon, dites donc. On va pas le prendre avec... J'avais pas vu le champignon de Dieu.
Mais pourquoi il le bouffe? C'est pas lui qui est censé bouffer les champignons. C'est lui. Ok, les deux n'aiment pas. Si on met du miel sur le champignon, ça va passer mieux? Non. Une bouteille sur le champignon. Non. Pierre sur le champignon. Non. Bordel. J'espère aussi, mais je crois que je vais avoir du mal à m'endormir entre mes mal de bro, de dos peut-être. Une crise de démangeaison. Oh là là. Crise de démangeaison, est-ce que c'est pas des moustiques? Musique est trop bien, musique est trop bien. Elle est gentille. Mal de bras. Ah, c'est peut-être bras, ouais. Bras ou dos? C'est vrai que bras, c'est peut-être plus logique au final. Ok, alors avec Winkle, on va essayer la pierre sur le champi. Ok, on va essayer les allumettes sur le champi. Mais surtout, ne pas essayer le miel sur le champi. Ok, on va voir dans un autre... à mon avis, il faut aller... si t'associes les deux, ça fait des crises de démangeaison dans le dos, lol. Ou sur le bras. Alors... ici, est-ce que potentiellement... donc on sait qu'il faut le sablier de toute façon pour rentrer. Donc on peut pas rentrer. Est-ce que... potentiellement on peut mettre... le miel sur la tranchée. Je vais quand même essayer le miel sur la porte, on sait jamais. Bras, d'accord. C'est même... c'est même mal, bro. What? est-ce qu'on peut mettre la jeter la pierre dans l'ouverture? Non. Ok, donc pas là. Tom, l'horloger. Ah, je vois pas non plus. Hein. Non, je vois. Franchement, franchement, c'est bien. Ça doit être utilisé là. Essaye d'allumer la bombe et de l'envoyer sur le tentacule. J'ai déjà essayé tout à l'heure, on a essayé toutes les combinaisons possibles, ça n'a point marché. Non, il y a un truc à faire avec Vivazar là, je pense. Ah, j'ai essayé tout ça. Vivazar. Faut pas mettre la charrue. Non, faut pas mettre. Pas la mettre. Non, faut pas la mettre. Chut. Ouais, on est tout à fait. On est d'accord là-dessus, Marc. J'ai cru voir un truc, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Qu'est-ce qu'il va nous. J'ai une réaction allergique sur les deux bras. Les... Very good day to you, Mr. Tree. Can you give us some advice? Some advice? Ah, il a deux passions, la musique et les champignons. Bah ouais, mais... A very good day to you, Mr. Tree. Can you give us some advice? Advice? Go see the bird over there. He has two passions, music and... Amenez-lui le champignon que l'elfe désignera. L'elfe. On échange d'une friandise. Après, elle le bouffe, quoi. Merci, Avia. Je vais rester allergique sur les deux bras, les poils droits d'une partie de l'avant. Ok, là, d'accord. Et allergique, tu sais à quoi? C'est chaud quand même. L'elfe, mais il est où l'elfe? C'est pas la nymphe l'elfe. On est d'accord. Ah, je suis d'accord que les champignons sont différents, mais. So, you old pirate.
of sticks? Are you putting down roots? Mais regarde, Marc. Go see the bird over there. He has two passions, music and mushrooms. Il y en a qu'un là. Attends. Bring him the mushroom that it shows you in exchange for a little treat. Il y a que celui-là qui fonctionne en fait. Un elfe, celui de la maison, je peux vous aider? C'est pas un elfe? Si. C'est pas un elfe. C'est le maire. Noble Burgomaster! Who's in that lovely house which refuses to open? It belongs to Tom, our master clockmaker. Give two short knocks on his door. Ah, il nous explique juste qu'il faut donner deux coups secs sur la porte pour pouvoir ouvrir la porte du, de l'horloger. Qui, lui, veut nous filer un sablier si on change la mélodie du coucou. Peut-être que le mec dans la maison au début, pas celle de la roi. La maison au début. Ici, là, lui, Sokka. On va aller voir. To reach the castle, throw some of the sand of time into the trenches. Non. Il nous aide pas. Il nous dit qu'il faut mettre le sablier dans la tranchée, en fait. La maison, au tout début, can I help you? Ouais, mais au chapitre 1, je vois pas. Pour le mal aux deux bras, je suis resté accroché au câble lundi en faisant de l'acrobranche. Deux énormes bleus sous les bras. Oh, je peux plus lever les bras. Aïe, 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 aïe. Rien à voir avec celui que j'avais eu sur la cuisse, j'ai les mauvaises idées de m'allonger dans l'herbe. Là, là, ok. Il faut pas faire. T'es allergique à l'herbe. Non, on n'a plus accès, on a accès qu'à ces trois zones ici, tu vois. La tranchée, Tom, l'horloger, et Kael, l'arbre. Donc, ouais. Et l'elfe, en fait, je vois pas. Je vois pas ce que. Est-ce que c'est la nymphe? Qu'il appelle l'elfe. En fait, je pense que c'est ça. Il doit falloir réveiller la nymphe qui va nous dire quel champignon il faut donner à Vivalzar qui lui va nous filer de la musique. Comment on la réveille? Joker? Un joker comme ça? Non, je n'ai pas le droit de joker ici. Je ne vais pas jokerifier. Ah là là, ça s'étend, ouch. Je compatis Blacky, j'imagine que ça va être difficile de dormir, ouais. Essaye avec Winkle, je crois que c'est la même. Giri, 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 giri. Oh. Ouais. So, you old pile of sticks, are you putting down roots? Je donne pas assez de solution. Amenez-lui le champignon que l'elfe désignera en échange de friandise. Que l'elfe désignera. Mais il est où l'elfe? Il y a autre chose à faire avec l'abeille. T'as une idée? Bah c'est bien, Jim Lao, c'est bien. Tu n'as pas le droit de donner d'idée. Mets le miel sur la nymphe et appelle l'abeille. Je peux pas. J'ai déjà fait miel sur nymphe.
J'ai essayé tout sur la nymphe. Mais je vois pas à quoi elle sert. Tu vois pas à quoi elle sert ton idée? Eh ben, tant mieux. On peut pas utiliser un objet sur un autre? Non, on peut pas. Depuis que je suis gamine, j'y pensais plus. Ça fait longtemps que je suis en ville. Elle était fraîchement tendue. C'est un peu comme des centaines de piqûres. Ah là là. Fraîchement tendue, j'imagine. Est-ce que l'herbe fraîchement tendue, c'est... Fouk. Qu'est-ce qu'on oublie? Si tu combines les objets, le jeu implose dans la Rio. Qui sait, c'est... De la pierre sur l'abeille, c'est pas mal, réessaye plus loin. Ok. Alors regarde, à chaque fois que tu veux essayer ça, il va se mettre là-haut. C'est un peu tendu entre Blackie et l'herbe. Je vois ça, ouais. Marche pas, hein. Comme là, en inversant les persos. Vu tendu, je suis sur le tel, c'est pas simple. Non, t'inquiète, y a pas de soucis. Blackie, t'inquiète. Je fais du chat sur téléphone, je sais ce que c'est. En général, moi, c'est le matin, en m'étant réveillé vers 7h du mat. Si vous me voyez, il est quelle heure? 7h du mat. Chez vous, il va être midi. Si vous, je passe chez vous entre midi et midi et demi sur votre stream, c'est que je suis sur les toilettes, sur le téléphone. Ami de la poésie, bonsoir. Mets Fingus à gauche et Winkle à droite avec la pierre. Ok. Mais il va aller là, hein. Si je clique l'abeille avec la pierre, il va marcher et il va aller là. Hop. Hop. Là, il va se déplacer jusque sur la grosse pierre. L'abeille sera déjà partie. Hop. Tiens. Après, si on essaye. Tac. Tac. Ça a pas un gros de fait chier, mais non. Eh? Lol Ryu, je suis pas sur les toilettes maintenant. Je dis le matin à 7h du matin en me levant. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, je ne stream pas. Je surfe sur le net. Des fois, je passe sur des streams. Attention, c'est pas pareil. La belle couille, la belle couille, la belle couille, la belle couille. La belle couille, ouais, la belle couille. Putain, je me rappelle, j'étais en primaire, ça. Est-ce qu'il faut rechoper une... Il faut rechoper une fleur. On va rechoper une... Bon, tiens, on va recharger vu qu'on n'a rien fait de plus. Tac. Je confirme. Les WC, meilleur endroit pour réfléchir. Eh ben ouais, c'est clair. Miel et fleurs, ok. Donc je peux pas utiliser la fleur avec Winkle, sinon il va la bouffer. D'accord. Marcos et monsieur. Perso, j'ai de grands WC et une belle bibliothèque. Cool. Il y a guère que le matin que je reste sur les toilettes. Alors voilà, ce que j'ai pas fait, c'est essayer la fleur sur le champi. Treat! Vas-y, bouge. Merci. Fleur sur champignon. Fleur. Ouais, mais on va pas la mettre sur la. Merde. Fleur. Sur quelle? Miel. Sur quelle?
Allez, brûlons l'arbre, brûlons l'arbre. Ok. Vous me croyez si je vous dis que mon chien vient même de faire chier aux toilettes? Oui, carrément. Carrément, je te crois, mais à 100%. Puisque moi, mes chats font pareil. Je me lance à tester un truc. Probablement pas, Jim Lao, mais il faut pas le dire. Non. Tiens, putain. Je vais essayer tous les trucs sur la nymphe. Et une fourmi sur champi blanc pixel. Ah là là? Non, je l'avais vu tout à l'heure. C'est un défaut de... Je pense que c'est censé être une ombre de la pierre, en fait. C'est vrai que c'est pas très bien fait, là. Là aussi. Bien sur la nymphe, c'est le premier truc que j'ai essayé. Fleur sur la nymphe, on va essayer aussi. Ah, Jim Lao et Ryu, whispez-vous pour voir si c'est ça. Pourquoi l'abeille est toujours là? Hein? Bug! Bug! Bug, je peux plus bouger! Bug! Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quel intérêt d'être là, aller là? Bug ou quoi là? J'ai rien compris. En fait, je me suis mis là et quand l'abeille est sortie, il est sauté sur l'abeille directement. Tu save. Ok. Je peux sauver, mais pas sur la même, parce que si ça a bugué... wesh, hey, yo. Je confirme. Parce que là, qu'est-ce que je fais, là? Ok, super. Mais on peut le refaire. On va voir si tu pouvais sauter sur la baie, mais je voyais pas à quoi ça sert. Bah on peut, mais il doit y avoir un intérêt. Non, mais... Ah, attendez, oh, c'est le contraire. On va essayer d'inverser. On va mettre Finkel là-haut. Là, tac. Ok. Je peux pas partir là. Bah ça sert à rien quoi. Mais je crois que c'est pour plus tard. Ah mais faut pas dire. Je peux pas prendre une pomme. J'aime là, faut pas me dire ça parce que maintenant du coup bah ok je vais faire autre chose. Super. On va refaire avec Fingus pour voir. Fingus. Je vous laisse les gens, bonjour à la prochaine. Ça marche, Nato m'a dit, merci beaucoup d'être passé. Et puis bah, à la prochaine. Parle aussi à l'oiseau. Ouais, mais alors si je parle à l'oiseau avec Winkle,
any luck? Voilà. Et si je parle avec Fingus? Il va se barrer aussi, je crois. Il veut pas. Alors, c'est la pierre sur Vivalzan. Une bouteille sur Vivalzan. Allumette sur Vivalzan. Une miel sur Vivalzan. Fleur sur Vivalzan. Voilà. Pierre sur Vivalzan. Bouteille sur Vivalzan. Vifalzar. Allumette sur Vivalzar. Et je sais pas le miel et la fleur, sinon il va bouffer. Voilà, c'est pour ça que je l'ai laissé sortir en fait. Le piaf. Est-ce que c'est. Ouais, non, c'était. Ok, non, tu m'as donné. Tu m'as répondu en fait. Je me demandais si c'était bien. Et Ryu, est-ce que c'est bien à ça que tu pensais aussi? Que j'avais pas testé. Je suis curieux. Juste par oui ou non. Hein. On peut pas zoner. On peut pas zoner. Vivalza. Mais si je fais sur la porte. Pourquoi être sur la branche à droite? Ben écoute, Jim Lao nous a vendu la mèche en disant que c'était pour plus tard. Donc on le saura pas tout de suite. Ça sera pour plus tard. Désolé, t'as pas entendu. Non, je demandais si le truc qu'on vient de trouver, c'était ça auquel tu pensais que je n'avais pas fait. Tiens, je vais zoner voir si on peut aller... si la branche elle continue de l'autre côté là. Bah non, même pas en fait. T'as de l'eau dans la bouteille pour depuis la branche versée sur la nymphe. J'y pensais, mais je voulais tester les objets un par un en fait. Tiens, je vais enlever. Et vu que ça a pas marché avec la pierre, il est descendu, je crois. Tac. Non, c'était pas ça. Ok, d'accord. Alors, attends. Hop. La bouteille sur la nymphe. Tu vas être descend. Alors, j'ai. Hop. Pas lancer le caillou sur la nymphe depuis la branche. C'est le premier truc que j'avais essayé tout à l'heure. Il descend. On peut essayer tout. Les allumettes. Non, le miel. Peut-être verser du miel. Non. Et enfin la fleur. Non. Non, mais de toute façon, c'est pour plus tard. fuck. Je rappelle que l'elfe doit nous désigner le champignon. Le truc, c'est que l'elfe, on sait pas qui c'est. On peut imaginer que c'est la nymphe. Kael, c'est l'arbre. D'ailleurs, ça fait LK à l'envers, en verlan. Et j'imagine que du coup, nymphe et elfe, ça va être la même. Donc il faut la ranimer ou la réveiller pour qu'elle aille se poser sur un des champis. C'est chaud. Balancer le caillou de celui du bas vers celui sur la branche. Celui du
Ah ouais, mais on peut pas. Si je vise. Je peux pas viser un autre gob avec un objet en fait. Si je fais ça, ça va changer de personnage en fait, en gros. Deux trucs que j'ai pas fait en fait. Ok. Eh ben. On va y aller trouver. Ça se trouve, c'est un objet que j'ai pas vu. Enfin, un truc qu'on a pas vu. Pierre. J'ai peur maintenant d'utiliser le miel et la fleur avec Winkle parce qu'à chaque fois, il bouffe le truc. Est-ce qu'on a fait. L'histoire de la semaine, peut-être dans le même rêve. C'est là l'idée improbable. On n'a pas fait tous les objets avec Winkle sur la nymphe, en fait. Oh putain! Ah bah voilà, c'est à ça qu'elle sert la branche. Putain, c'est débile! C'est débile parce que. Pourquoi est-ce que Fingus voulait pas lui mettre de la flotte dessus, quoi? Merci. Ça, je comprends pas. C'est pas logique. Mais c'est pas grave. On lui demande pas d'être logique. Ah, mais ça, bien sûr. Encore. Voilà, c'est plus tard. Plus tard. Do you live with your parents? Ok. On lui donne du miel. Ah, elle est contente. Vas-y. Est-ce que c'est l'elfe? Est-ce que c'est l'elfe? Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Fitz, 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 Fitz! Elle nous a désigné le champi! Le champi! Fingus est le gentleman et Winkle égale bourrin. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est pour ça que c'est logique. Ok, tout à fait, Rio. Coucou Fitz, merci énormément, Fitz, 14 mois de fou furieux! Il dit avec Adikinou, apprends l'anglais à niveau 6ème. Comment vas-tu, Fitz? Merci énormément pour le sub. 14 mois, c'est un truc de fou. J'en reviens pas à chaque fois. Ok, donc je prends le champi, mais. Voilà. Et on va potentiellement. Yes, on va le donner, mais avec. Avec Fingus pour pas qu'il le bouffe. Hein, allez. Bon, et c'est vrai que ça ressemble à un jeu de gamin, mais au final, comme on le disait avec Jimmy tout à l'heure, c'est pas un jeu de gamin. Tiens. File-nous un instrument de musique. Ouais. Ouais, il veut pas. Faut le filer avec Winkle, là. Ça va, tu décolles après ton thé. Bah écoute, bon petit déj, bon courage pour tout à l'heure. On va attendre que tu finisses ton thé avant d'arrêter au moins. Chipognon. Ah, je croyais que c'était pas ça. Ok. On rentre chez Vivalzar. Mon dieu. Save, 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 save. Ouais, je sais, ouais. Yolol. Hop. Ok. Merci. Alors, on a un piranha. On a un bocal. On a Vivalzar. On a un vautour. Un récipient. Une trappe. Un élixir de gentillesse. Un élixir de gentillesse. C'est pas qu'elle, le champi. Non, non, bah non, c'est bon. On est bon. Une machine avec un bouton, là, on dirait. Un bouton, bah voilà. Ok, il y a plein de trucs. Bon. On va aller sur le piranha déjà. Ouch. Tu vois, au final, Jimlao, on a quand même le yaourt des gobs, même avec la version CD. C'est juste que. Quand ils disent des trucs, là, il y a les doublages. Mais sinon, on les entend. Et je trouve ça cool. Voilà. Donc, je pense que cette version-là est mieux. Nah.
Peut-être pour les musiques, c'est un peu chiant. Bip, bip, bip. Message de mon idée pour pas spoil, j'ai mis le filtre anti-spoil. Merci beaucoup, Ryu. Merci. Merci, merci. Envoie tes spoils à Jim Lao. Tous les deux, vous avez fait le jeu, donc c'est bon. J'adore le style de dessin des persos et créatures. Mais moi aussi, carrément. Et le vautour qui regarde la caméra. Ouais, salut le vautour. Allez, ok, on a un bocal. Il y a des bonbons dedans, c'est ça, non? Ce truc-là m'intrigue aussi, mais bon. Ok. Ça fait rien, d'accord. Je peux monter, là? Tiens, cause à Vivalza. Musical dream machine and have a taste. What? Ah, on va refaire. Please accept this small gift. It's really elegant. Excellent. Put in my musical dream machine and have a taste. Ok, donc faut mettre le champi en fait dans sa machine. Donc champi là. Non, ça ne marche pas. Ok. C'est pas grave. En récipient. C'est lui pour changer la musique de l'horloge. Ouais, je pense aussi. Ok, récipient. Est-ce qu'il faut mettre le champi dans le récipient? Non. Ok. Causons vautour. Il veut pas. Hop. Ok, bah maintenant on va faire les choses mêmes avec Winkle. Winkle. Hop. Ok, même chose. Le bocal. Ça le fait marrer. Ok, donc il a pu prendre un verre. Vert sur piranha. Ok, tu referas le jeu sur disquette, hein. Ça marche. On a le temps de faire quelque chose? Je pense pas. On a peut-être le temps de pousser le bocal du piranha. Ok, on a un verre, on va le garder. Est-ce que je peux mettre le champignon sur la machine avec lui? Ah. Alors lui, il ose en fait. Non. Il ne peut pas parler, par exemple. On appuie sur le bouton. Ok. Il comprend pas, c'est pas grave. En fait, je sais des pour comparaison des musiques et voix. Ok. Ah merde, il y a une pince là. Est-ce qu'on peut utiliser la pierre? Où est-ce qu'il va? Ok. Comment est-ce qu'on fait? Ah, fatalement, il va falloir se mettre ici, là, sur la trappe. Ça a l'air d'être un... Mais merde, sur la trappe, je dis. Comment est-ce qu'on fait? À tous les coups, il faut que le vautour se barre. Le bouton sous le champignon rouge, tu l'as pas testé. Non, c'est vrai. On va tester, ça se trouve, ça fait sauter ça. Et voilà. Ok, on va faire l'inverse. Sur la trappe, pierre sur le vautour. J'y pensais. Je pensais aussi mettre la pierre sur la trappe. On va voir si Winkle
Winkle peut appuyer sur les boutons. Ok, ok, non, non. J'ai une idée. On appuie là. Merde, non, 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 attends. On le remet là. On appuie là. Ok. Et maintenant, on utilise la pierre sur le retour. Ça nous laisse un peu de temps en fait. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Le vert. Yes! Ah ah! Nickel! Ok, maintenant la viande sur le piranha. Qu'est-ce que ça va faire? Ok, on a un os. Qu'est-ce qu'on fait avec cet os? On peut lancer sur la pince? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec un os? Super. Ok, est-ce qu'il faut faire le contraire peut-être? Alors, on va rechoper un. Ok. L'inverse, hop. Dans la machine, mais la machine elle est coincée de toute façon. Ok, là j'ai le temps de rien faire en fait. Il a l'air content le vautour. On va recommencer. Voir si on chope autre chose en fait. On chope un autre bout de viande. Peut-être qu'il va avoir une indigestion. C'est bon, il sent une horloge. Non, non, il y a le son d'une horloge. Ah, ce con, il ne refile pas de. Ok. Il ne refile pas d'os. Ouais, je vois pas où elle est l'horloge en fait. Et la bouteille qui sourit, c'est l'élixir de gentillesse, mais on peut pas le chercher là. Toi, il se met là. Je sais quoi faire, ça a fait tilt. Lol. Tchou Fitz, merci beaucoup d'être passé. Merci encore énormément pour ton resub. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, bah écoute, à vendredi peut-être sur Cuphead. Si jamais. Ah non, t'as dit que tu pourrais pas passer forcément. Mais bon. Sinon, à samedi 20h. On va lui reparler. Il veut pas lui reparler. Ah! Bah merde. Ah merde. Un chiotte. Mon os. Mon os. Ok. Quel os sur l'élixir pour le faire tomber? J'ai essayé le caillou sur la pince, j'ai pas essayé sur l'élixir. Hein. C'est pas idiot. Reload l'os.
Non, pas grave. C'est pas grave, c'est vrai que j'aurais dû, mais bon... Ah mais attends, non. Hein? Ah, il est là, putain. J'ai eu peur. Oh! Idée. Si je donne la viande avec le pire, avec le Winkle. Qu'est-ce qui se passe? La même chose, ok. Ache. Tac. Alors, on a dit la pierre sur l'élixir. À mon avis, ça casserait l'élixir s'il... Enfin, je pense. Non, il va se déplacer jusqu'ici, là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut mettre l'os dans le récipient? Ah mais non, mais en fait t'as raison, quelque part il va falloir récupérer l'élixir pour le mettre là en fait, non? Non. Non, ils veulent rien utiliser sur l'élixir parce qu'il est trop loin, il se déplace là, c'est bizarre. Donner la viande au gars assis. Ah, ok, on peut faire ça. On peut faire. Ah, merde, non, je suis con. Okay. J'aurais pas le temps. Tiens d'ailleurs, on va essayer le verre là. C'est assez chiant. Ok. Youpi. Merde, je suis con. Tac. Tu vas dormir, Jimlo, ça marche. De toute façon, ouais, vu l'heure, on va pas tarder. Hein. On va pas tarder à y aller de toute façon. J'aimerais bien passer ce tableau là en fait. Ok. On a de la viande. On va voir s'il en a quelque chose à faire. Ça se trouve, il va la foutre à la poubelle. Non. Viande sur machine. Os sur machine. Fleur sur machine. Peut-être appuyer une deuxième fois. Non. Bah bah bah, ciao Jimlo, bye bye. Merci de te passer. Des bisous. Et bah, vendredi pour Cuphead. Non! Ma fleur! Bon, comme quoi, il n'y en avait pas besoin, je pense. On peut... On peut pas sortir, donc... Ah, putain. Là. On peut monter, là. Non. La bouteille est vide. Est-ce qu'il faut pas mettre la bouteille sur le récipient? Pour quand le truc coulera? Non. Et l'os, il va le jeter. Oh, idée. Je vais sauvegarder là. Tac. Alors, on lui donne l'os, il va ouvrir la poubelle et peut-être il y a un truc à prendre dans la poubelle. Non.
Ah, il faut aller sur le... Oh, yes! Il faut aller sur le couvercle de la poubelle pour se faire sauter. C'est évident. Mais oui. C'est ça. Ok. Tac. Yes. Ok. Donc on prend la bouteille. Et la pince. Voilà, merci. Mais j'ai commencé à se fermer, c'est l'heure de retourner dedans. T'inquiète. Gentil Xir là. Le gentil Xir. De toute façon, on va bientôt finir ce tableau là et on va s'arrêter, je pense. Il veut pas la bouteille alors. Allez. The fuck? Fuck! The fuck? Yuppie. Que va? Il y a une horloge. L'horloge est invisible en fait. Yes! Oh mon dieu! Ah mon dieu! Ah ce tableau! Oh là là! Ah ça, ça fait très Woodruff aussi, je trouve. Tu vas dodo, Ryu? Bah de toute façon, on va s'arrêter aussi. De toute façon, tout le monde va se coucher. Moi aussi, je vais aller me coucher. Ok, c'est cool. On a fini ce passage-là. Cool. Et on va s'arrêter ici. Sur ces airs des musiques de sitar. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Delkino avec l'épisode numéro 1 de Goblins 2. Merci beaucoup et à la prochaine.